Bravo, c'était un sans faute. Génial. Parce que je suis heureuse. Super, t'as été parfaite. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui te prend? Alors, on tient pas debout? Ah oui. Tu vas voir un peu. Ne touche pas. Arrêtez, ça suffit. Lâche-la, dégage-la. Et toi, John, tu te lèves. Allez, debout. Oh. Ah. Là, ça commence à bien faire. Je t'avais dit de ne plus te battre. Puisque c'est comme ça, je ne veux plus le voir ici. Tu devrais écouter mes conseils. Je t'ai dit de ne plus te bagarrer. Résultat, une épaule de mise. Attention, maintenant ça va te faire un petit peu mal. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ben, je peux bouger le bras. Comment t'as fait ça? Un petit secret. Mais efficace, non? Ouais. Ça marche. Écoute ce que je te dis. Si tu continues la bagarre, un de ces jours, tu vas finir par tomber sur un gars beaucoup plus costaud et on n'entendra plus parler de toi. Fini. En attendant, c'est 45$ l'épaule. Le gamin, là, sur la photo, c'est ton fils? Non, mon meilleur élève. Il vit à Hong Kong. Il devait me rejoindre. Résultat, j'attends toujours. Tu vas faire quoi? Je sais ce qui le retient. La carte de séjour, mais je ne peux rien faire. Il veut pas vivre en clandestin. Oh, ça non. Il a trop la trouille. C'est un médicament, hein? Bah oui, je suis pas idiot. Tu en prends un. Disons un par jour. Ouais. D'accord? Ouais, ouais. Parfait. Je suis sûr qu'il ne fera rien de ce que j'ai dit. Tant pis pour lui. Merci, Doc. À la prochaine. C'est ça, à la prochaine. Ah, les jeunes. Anna, tu n'as pas compris? Je te l'ai dit la dernière fois. Tu n'as rien à faire ici, t'es virée. Je dois passer le concours, c'est pas juste. Je dois m'entraîner. Ça, c'est avant qu'il fallait y réfléchir. Maintenant, c'est trop tard. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi. Je trouverai quelqu'un pour te remplacer dans les enchaînements. Désolée, mais je ne veux plus te revoir ici. Ah,
Je me doutais bien qu'un jour tu finirais par revenir. Tu as encore beaucoup à apprendre. Je suis venu pour me battre, pas pour apprendre. Tu crois que tu peux défier ton maître? Tous les maîtres que j'ai affrontés jusque-là ont été vaincus. Excepté toi. À te battre, on va se battre. Pose ça. Si tu y tiens. C'est pas fini. Allez, viens, je n'ai pas fini avec toi. Viens par là. J'aurai ta peau. Tuez-le. C'est qui cette fille? Va-t'en! Ils vont t'attraper! Va-t'en! Merde! Vous pouvez pas rester comme ça! Il faut que vous voyiez un médecin! Vous comprenez? Il faut aller chez le docteur! Non, pas docteur. Moi, je suis docteur. Gare centrale, terminus. Hé les gars, regardez un peu la vieille là, hé, regardez. Je t'ai déjà expliqué qu'on touchait pas aux vieux, c'est la règle.
Hey, le chinois, il est jeune là, il a l'air d'avoir plein de thunes là. Hey, regardez. Allons-y. Vous vous êtes fait mal? Merde! Allez, démarre la voiture! Moi! Ouais. Vous êtes blessé? Hé! Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, 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 vous êtes fou! Ils seraient capables de vous tuer! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils sont dangereux! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon veut poursuivre trois voyous qui ont pris son sac! Mais surtout ne faites pas ça! Mieux vaut perdre son sac que la vie! Je serai prudent, je vous le promets! Putain, il est dingue! Qu'est-ce que tu veux prendre, ferme-la, là! Ouvre le sac! Dépêche-toi! Ouais! Regarde au fond! Mais il est encore là! Putain! Pas trop vite, non! Attention, le mec! Accrochez-vous! Ne me lâche pas! Toujours là! Fais gaffe, Rico! Non! Attention, les travaux devant! Qu'est-ce que tu fous, bordel? T'es con, arrête! Il est toujours derrière nous! Oh! Hey, doucement! Mais vite, putain! Mais viens quand tu tournes! J'ai jamais vu un mec aussi coriace! Tu es absolument invincible. Je t'en prie, enseigne-nous le kung-fu. Ne dites pas n'importe quoi. Vous devriez avoir honte. Mais je vais être indulgent pour cette fois. Allez-vous-en. Oh non, non. Il faut qu'il reste. Oh pitié, ne pars pas. Oh maître, je t'en prie. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous allez arrêter de faire tout ce cirque? J'ai perdu assez de temps. Oh, non, ne pars pas. Attends-nous, maître. Vous espérez quoi? Allez, restez pas par terre. Levez-vous. Maître, prends-nous comme élève. Partez. Non, maître, ne t'en va pas. Attends-nous. Reviens, maître. On veut étudier auprès de toi. Ne laisse pas. Bonjour. Vous êtes libre? Oui. Ah, je suis content de vous voir. À peine arrivé en ville, j'ai eu des ennuis. Trois types en voiture. Ils ont cru qu'ils pourraient me voler. Si vous commenciez par me dire où vous allez. Le compteur est en train de tourner. Hein? Comment ça? C'est bien beau tout ça, mais où on va? À quelle adresse? Donnez-moi ça. C'est là que je dois aller. Ah oui, c'est pas très loin d'ici. Faites-moi confiance, on y sera vite. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Il y a des taxis qui font des détours. Ça vous coûte les yeux de la tête. Moi, je préfère rester honnête. C'est vrai, quoi. On doit respecter les clients. Hey, il tourne pas, votre compteur? Ah oui, vous avez raison. Il est un peu capricieux. Tu vas marcher, hein? Sinon, la fessée. Ça va, je crois qu'il a compris. Waouh, ça défile vite. Vous êtes sûr que c'est normal? Ici, les taxis, quand ils aperçoivent que vous êtes étranger, ils en profitent. Ils vous font faire trois fois le tour de la ville, l'air de rien. Et vous vous en tirez pour une fortune. J'aurai jamais assez. Hein? Qu'est-ce que je vous disais? Ça a été rapide. Regardez, c'est là. Pourquoi votre compteur continue à tourner? On est arrivé. Vous avez raison, c'est pas normal. Attendez, je vais vous arranger ça. De toute façon, j'ai pas autant d'argent sur moi. Mais non, attendez. Oh! Pour ce prix-là, je pourrais retourner à Hong Kong. C'est du vol. Je vous donne $40, c'est tout ce que j'ai. C'est à cause du compteur, mais on va s'arranger. On va pas se fâcher entre Chinois. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon maître. Lui, il saura ce qui est juste. On me l'a déjà fait, celle-là. Je prendrai racine avant que tu reviennes. Si vous avez peur que je file, j'ai une autre idée. Je vais vous laisser mes bagages en garantie. Hé hey. Prenez tout. Hé hey. Oh. Hé hey. Attendez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? C'est pas un dépotoir, ma voiture. Hey. Reprenez tout et maintenant, dégagez! Oh. C'est vous qui êtes un voleur!
Vous et votre fichu compteur. 417 dollars. Il me prend pour qui, lui? Voleur! Reposez-vous. Je vais chercher de l'eau. Non, ne vous levez pas, je m'en occupe, restez là. Calmez-vous. Ça va aller. Voilà. Tenez, buvez. C'est quoi ça? Fais-moi plaisir, prends cet argent et ne discute pas. C'est pour payer le loyer. Gardez votre argent, il n'est pas question que je l'accepte, je fais pas ça par intérêt. Si je vous aide, c'est par sympathie, c'est peu de choses. Restez avec moi ici jusqu'à ce que vous soyez guéri, d'accord? Ça n'empêche pas que je dois payer le loyer. Non, j'ai pas besoin de votre argent, je roule pas sur l'or, mais je peux quand même payer mon loyer. Alors je vous en prie, n'insistez pas, ça me fâcherait. Mais tu ne comprends pas, c'est mon loyer. J'ai dit non. Tant pis, oublions ça. Mais vous vouliez m'enfermer? Mademoiselle. Mademoiselle. Il a lu le dossier? Hey. Oui. Venez voir, on a un problème. Je vous rappelle plus tard. Au revoir. Ce type, il est sorti en défonçant la porte. Mais enfin, monsieur, je peux savoir ce que vous faisiez là-dedans, hein? On va pas s'en mêler. Cette boutique est la propriété de la banque. Vous n'avez absolument pas le droit d'être ici. On m'a chargé de fermer ce lieu, vous comprenez? Alors, j'aimerais savoir ce que vous... Attendez, je vais vous expliquer. Mon maître habite ici. Il m'a demandé de venir le rejoindre. Alors, j'ai pris l'avion, 16 heures, en l'air. Jusqu'ici. Alors moi, ça m'a tourné la tête. À l'arrivée, je prends le bus, et là, je me fais voler. Alors, je me mets à courir, j'attrape les voleurs, une chance. Ensuite, un chauffeur de taxi, un gros, un chinois, j'étais content. Le compteur tourne. Et voilà, vous avez compris? Oui. Alors, laissez-moi attendre dans la boutique. Vous avez peur que je vole des objets? Je ne connais rien de vous. Elle me prend pour un voleur, c'est clair. Qui êtes-vous pour Monsieur Tak? Je suis son élève. Il vous apprend le kung-fu? Oui. Vous connaissez mon maître? Mais vous auriez dû me le dire. Je croyais que vous étiez de la police. En dehors de cette adresse, vous savez où on peut le joindre? Non, je pensais le retrouver ici. Où est-il allé? J'espérais que vous me le diriez. On parle bien du même homme. Regardez, j'ai une photo de lui. Vous le reconnaissez? Oui, c'est lui, là, sur le côté. Je le reconnais. C'est maître. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on fait pour la porte? Une seconde. Où est-ce qu'on va le trouver? Je règle ça et j'arrive tout de suite. Il doit avoir une autre adresse. Sur tous les papiers de la banque, je n'ai que celle-là. Ça, c'est le jugement. Regardez. Il a 2 mois de retard de loyer. Bon, c'est un petit retard. Et vous fermez la boutique? Pour la banque, c'est un gros retard. Faites un petit effort. Non, je ne laisserai pas faire ça. Mais pourquoi vous ne l'aidez pas? Enfin, qu'est-ce que vous croyez? Je n'ai pas les mains libres dans cette affaire. J'ai des comptes à rendre à mes supérieurs. Ne vous faites pas de soucis, je vais le retrouver. N'hésitez pas à me tenir au courant. Tenez. C'est votre vrai nom? Mais c'est pas un problème, ça n'a pas fini au moins. Excusez-moi. C'est un numéro, s'il vous plaît. Ça fait des ordres, cette porte. Qu'est-ce que vous croyez? Vous n'allez pas emporter ça. Faites attention, c'est un maître Tak.
mon avis, ce gars-là, il se prend pour un ninja. Arrête-toi, Chico! Arrête la voiture, je te dis! Maître! Maître! Où t'étais passé? On t'a cherché partout! Maître! Tu es là! On t'a retrouvé! Maître! Viens, on t'emmène avec nous! Donne des affaires! Lève-toi, maître, je t'en prie! Faut pas rester là! On est les latinos les plus cool de LM et si on nous cherche, c'est la mort sans délai! Et voilà, on est arrivé! Terminus! Ouais! Tout le monde descend. Mais c'est quoi cet endroit? C'est là que vous vivez? Notre maison, maître. Ta maison. Eh ouais, maître, c'est ici que nous mangeons. Que nous dormons, maître. Et moi, je ne veux plus que vous m'appeliez maître. Ni maître, ni kung-fu, ni tofu. Oui, d'accord, c'est entendu. Ni maître, ni kung-fu. Et toi, balance le tofu. Ouais. Par ici. Merde, les Hawks sont là. Oh non, faut pas rester ici, on va se faire exploser. Oh non, les enfoirés. On est coincés, putain. Courez les mecs. Arrêtez. Lâchez-moi. Laissez-nous. Bon, je vous la fais courte. Si vous voulez rester ici, faut payer. Oh non, on vous a déjà filé tout ce qu'on avait. On est complètement fauchés, mec. On a tout essayé, pas moyen de trouver le moindre job dans le coin. Même pour faire la plonge dans les restos chinois, ils veulent plus de nous. Soyez sympas, on se fait jeter de partout, laissez-nous peinard ici. Tu veux que je te dise? Bouge tu pas. Tu me prends le cœur. Seulement tes explications, j'en ai rien à foutre. Allez, vas-y. C'est ça. Allez, dans la gueule, cette espèce d'enfoiré. Ah, allez, laisse-lui les bottes, amigo. T'es pas bienvenu ici, amigo. Non, arrêtez. À ta place, je regagnerai Mexico vite fait. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de les relâcher et de partir d'ici. De quoi tu te mêles, le chinois? Ça suffit. D'où il sort, ce mec? Alors, les chinois, on vient foutre la merde? Alors, tu dis plus rien? Qu'est-ce que t'attends? Tu viens? Oh, 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 oh.
nous tuerons si tu nous aides pas. À votre place, je ne resterai pas ici. Parce que pour moi, pas kung fu. Oh. Oh merde! Ils ont foutu le feu à la baraque. Oh non! On fait quoi? On passe par derrière. Suivez-moi. Mais comment on peut entrer? Faut être balèze pour ouvrir ça. Chut! Fermez-la. Mais... Chut! Maître? Maître Tac! Hey! Enfin, vous êtes là. Je pensais que vous ne viendriez plus. Rassemblez toutes les pièces du dossier Williams et apportez-les-moi à mon bureau. Et soyez gentils, bougez vos petites fesses roses plus vite que ça. Mais, dans ce métier, les places sont chères et la concurrence est acharnée. Vous avez besoin d'un appui, quelqu'un qui vous aide, qui prenne soin de vous. C'est évident, une femme comme vous sans attache, je pourrais faire tellement pour vous. Si au moins vous me montriez un minimum d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Lee, Lisa Vanderlei désire vous voir. Faites-la entrer. Mais réfléchissez à tout ça. Ça vaut le coup. Entrez, Lisa. Nous, on était tranquillement allongés ça ici. Ça suffit. Arrêtez de vous battre. Hé hey, hey, je ne veux plus de bagarre. Est-ce que c'est compris? Vous faites encore un scandale? Je vous avais prévenu. Prévenu? Et vous allez faire quoi, hein? M'arrêter? Attention à la tête. Donc, si j'ai bien compris, cette boutique est à votre maître, et comme vous êtes sans nouvelles de lui, vous avez décidé de l'occuper. C'est ça? Oui. Excusez-moi, vous souffrez de maux d'estomac, là? De ce côté? Oui. Et quand vous avez mangé, la douleur est-elle plus forte? Oui. Approchez-vous et tirez la langue. Les yeux maintenant. Regardez en haut. Il y a une tache dans l'œil. Ça ne fait aucun doute. Vous vous préparez un ulcère. Je peux soigner ça. Ah oui? Oui.
Restez là. Ah. Détendez-vous et respirez profondément. Encore. Expirez. Si j'appuie ici, ça vous fait mal? Oui, un peu. Trois fois à gauche, trois fois à droite. Au-dessus du genou, c'est un autre point important. Mm-hmm. Trois fois à gauche, mm-hmm. trois fois à droite. Et maintenant, faites-le vous-même. Oh. Allez-y. Voilà, autre chose, la main gauche sur l'estomac, la main droite par-dessus. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous le faites 36 fois. Allez-y. Tous ensemble, la main droite sur la main gauche. Et on tourne en douceur 36 fois. Ensuite, on inverse le sens en mettant la main droite sur l'estomac et on recommence à tourner 36 fois. Tous ensemble dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Faites ça régulièrement chez vous. Et vous n'aurez plus aucune douleur. D'accord. En attendant, vous pouvez partir, la plainte a été retirée. Et merci de votre aide. Hé, hey, vous ! Hé ! Hey ! J'ai une question à vous poser. Vous connaissez ce type ? Répondez-lui. Une seconde. Essayez de lui faire entendre raison. On a besoin de son aide. Il faut qu'on trouve le moyen d'arrêter ce gars en flagrant délit d'agression. Les plaintes s'accumulent à son sujet. Il terrorise la population. Pour le prendre sur le fait, on compte sur lui. Écoutez, si vous le connaissez, vous pourriez peut-être leur rendre ce service. Apparemment, vous êtes leur seul espoir. Alors ? Elle est mal placée pour me donner des conseils. C'est elle qui m'a fait embarquer. Alors, tout ce qu'elle dit, moi je m'en méfie. Au revoir. Hé ! Le voilà, ils l'ont relâché. Maître. Comment ça s'est passé ? Hé ! Attendez, j'ai pris de gros risques pour vous sortir de là. Vous pourriez être plus reconnaissant. Et puis, c'est mon travail de veiller sur cette boutique. Vous avez une drôle de façon de veiller sur elle. Vous auriez pu vous montrer plus discret. Ben voyons. Je suis inquiet. J'ai peur que Maître Tak ait été blessé dans une bagarre. Vous n'en avez pas assez de passer votre temps à vous battre. C'est à cause de gens comme vous qu'on a si mauvaise réputation. C'est facile de rejeter la faute sur les autres. Dorénavant, c'est chacun pour soi. Menez votre enquête toute seule et préservez votre réputation, d'accord? Moi, j'en ai assez. Au revoir, ma jolie. À bientôt. Bon courage, chica. Oh. Vous avez compris? Oui. Maintenant, à vous. Allons-y. D'abord, faire le vide. Il y a beaucoup de gens comme ton maître en Amérique. Ils ouvrent des écoles pour se faire de l'argent. Ils enseignent quelques mouvements. Mais ils ne connaissent rien à l'art du kung-fu. Comment osez-vous parler de Maître Tak de cette façon? Il n'appartient à aucune école connue. Sa technique est empirique, ça n'est pas du kung-fu. Fei, viens ici. Oui, maître. Fais-lui une démonstration. Du vrai kung-fu. Ouais. Viens de tonnerre. La lune dans les bras. Double point. Ça, ce sont les figures traditionnelles. J'espère que ton maître te les a enseignées. Dans cet art, connaître les bases, c'est primordial. Mais si tu veux mon avis, tu aurais intérêt à tout oublier et à recommencer à zéro. Si tu ne me crois pas, montre-nous de quoi tu es capable et on verra. Qu'est-ce que tu en dis? Que je me batte contre lui? Oui. Et Faye, vas-y doucement. D'accord. Et vous autres? Reprenez l'entraînement, allez! Oui, mais de toute façon, ça va pas tenir. Non, c'est vrai, vous êtes sérieux? Vous voulez qu'on se batte? À moins que tu n'en aies pas le courage. C'est le meilleur moyen de juger ce que tu vaux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Vous m'avez dit de me battre. Peut-être, mais il n'était pas prêt. Je ne pouvais pas savoir. Recommencez. Excuse-moi, c'est reparti pour un tour. Mais lâche-le! Comment peut-il se battre si tu lui tires les mains? Pardon, maître. Tu n'es pas digne de recevoir mon enseignement. Mais... Va-t'en! Maître... Je t'ai dit de partir! Maître... Toi aussi, va-t'en! Qu'est-ce que vous regardez, vous autres? Au travail! Alors, maître, t'as retrouvé sa trace? Non, et j'ai perdu mon temps. Hé, attendez! Attendez! Mais qu'est-ce qui lui prend à se mettre à hurler, là? Elle va nous attirer des ennuis. Mais attendez-moi! Hé, tu veux nous causer, chica? Non, non, reviens, ça suffit. Reviens. Arrête, laisse courir.
Attendez, attendez, attendez. C'est Johnny, ce gars. Regardez, il y a sa photo dans le magazine. C'est bien lui. C'est pas vrai. Oh, c'est top de vous rencontrer. Vous pouvez me signer un autographe? Vous avez qu'à mettre à mon copain Beau de la part de Johnny. Ah ouais, c'est cool. Merci, c'est génial. Oh, génial. Bon, dépêche-toi, mec, on n'a pas que ça à faire. Hein? Mets-toi. Oh, ouais. Merci encore, Johnny. Ouais. Shugay, viens ici. Qui les a autorisés à venir filmer? J'en sais rien, maître. Qu'est-ce que tu attends? Va leur demander. D'accord. Excuse-moi. On est venu chez toi pour te défier. Bien sûr. Sérieusement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont sérieux, j'ai l'impression. Ils veulent se battre, hein? On te défie en combat singulier ou en groupe. À toi de choisir. Tu peux me dire comment un Chinois peut avoir un maître blanc? Allô? Montre-lui. Oui. Nous avons adapté votre art ancestral aux besoins des nouvelles générations. Si jamais vous êtes intéressé par notre école, n'hésitez pas à prendre contact avec nos hôtesses d'accueil. Oncle Tac! Oncle Tac, ouvre! Regardez! Oh, maître! N'insiste pas. Ouvre-moi, maître! Je ne suis pas ton maître, enlève-toi ça de la tête! C'est fini pour moi le kung-fu! Fini la médecine par les plantes. J'en ai soupé de toutes ces sottises. Maître, laisse-moi entrer. On doit parler. Eh bien, moi, je n'ai rien à te dire. Je t'en prie. Ouvre-moi. J'ai fait tout ce chemin pour te voir. Maître, ne me laisse pas dehors. Je t'en prie. Nous devons avoir une discussion. Ouvre la porte, maître. Ça va pas, t'es dingue. Si tu pètes ma caravane, je te préviens, tu la rembourses. Toi, t'occupe pas de ça. C'est une histoire de famille qu'il est en train de régler. Pas vrai, maître? Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas votre maître. Le vrai maître, il est à l'intérieur. Ouais. Touche pas. Notre maître. Ne redis plus jamais ça. J'en ai assez. Et moi aussi. Maître, est-ce que tu sais que Pochilou m'a brûlé et qu'il ne reste que l'enseigne? Si tu n'ouvres pas, je vais la décrocher et je rentre à Hong Kong. Pourquoi tu lui as dit ça, maître? Pochilou m'a été incendié? Non, pas vraiment. Espèce de sale menteur! Non, écoute-moi, la banque a fait fermer ta boutique. Toutes tes herbes sont dispersées. Tu dois absolument aller voir les banquiers et payer le loyer. Je m'en fiche, partez! Hé, tu calmes! Des herbes? Maître, tu es blessé. Je vais très bien. Je suis désolée, je croyais que vous auriez plaisir à les voir. Maître, je vous débarrasse d'elle. Arrête de m'appeler maître. Arrête de m'appeler maître. Maître, maître, la ferme! Toi, ferme-la d'abord. Ça suffit, les perroquets. Vous êtes chez moi, alors maintenant, vous dégagez. Sur un autre coin, qu'est-ce qu'il est? Elle est tarée. Dégagez-vous. Arrêtez maintenant. Lâche-moi. Oh non. Le sabre. Oh non. Ils vont se battre dehors. Venez vite, allons protéger notre maître. Attends. Maître. Prends, maître. Dans le temps, j'étais ton maître. Un élève doit suivre son maître. J'avais peur de partir, maître. Peur de me retrouver en Amérique. Et puis, j'avais ce problème de visa. Mais j'ai surmonté mes craintes. Oh. Tu te rends compte du temps perdu? J'étais venu pour recommencer à zéro. J'aurais préféré que tu sois à mes côtés. Je suis désolé. Mais tu sais qu'il compte sur moi à la maison.
Et puis, de toute façon, je ne pourrai pas rester. Je ne veux pas être clandestin. Regarde-les. Ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. C'est vrai. Je ne saurais pas quoi leur enseigner. Peut-être que eux auraient beaucoup à t'apprendre. Viens avec moi. Retournons à Hong Kong. Où veux-tu que j'aille? Pourquoi je partirai d'ici? Je n'ai plus d'attache là-bas. Pas de maison. Pas de famille qui m'attend. Mais, c'est quoi le problème? Vous ne serez pas heureuse de travailler sous les ordres de Lisa? Il ne tenait qu'à vous, si vous aviez voulu. Je sais parfaitement ce que vous espériez de moi, que je finisse allongée sur votre bureau. Allez vous faire voir, Paul, obsédé. Arrêtez. Hé, hey, mais... À qui ai-je l'honneur? Ça veut dire quoi? L'honneur de quoi? Dégage, petit. Non, ma main. Pitié. Elle est à vous, cette jolie main. Vous ne la poserez plus n'importe où. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Dites-lui qu'il me dégoûte, qu'il est laid et que je démissionne. Au moins, c'est clair. Elle vous déteste. Dites, si on déjeunait ensemble? Je dois payer le loyer de Maître Tack. On verra ça en revenant, après le déjeuner. Qu'est-ce que je fais de lui? Bouffez-le hors d'œuvre. Je ne l'offrerai plus, je suis désolé. Trop tard. Bye bye. C'était votre patron, je suppose. Oui, vous supposez bien. L'ennui, c'est que vous vous retrouvez sans boulot. Et alors? Je survivrai? C'est ma voiture. Salut les gars. Jolie voiture. On se barre, les mecs. Je crois qu'ils auraient aimé vous l'emprunter. Oui. Attention! À terre! Allez vous mettre dans la voiture. Montez vite! Hé, le Rasta! Tu es le disciple de Tack, alors tu peux t'attendre à subir le même sort que lui. Bloqué. Merde. Oui. Oui. Moi, c'est pas grave. Je me débrouillerai, mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, je ne suis pas fait pour cette vie. Je suis un fils des étoiles. Vous savez ce qu'on dit de nous? Les étoiles brillent partout, jusqu'aux confins du monde.
Nous, les Chinois, nous explorons les recoins de l'univers, peu importe les obstacles que nous devons surmonter, mais on revient toujours vers l'Empire Céleste. C'est trop dur pour nous de s'adapter. Vous croyez ça? Oh oui. Qu'est-ce qui est trop dur? Il suffit de se laisser aller. C'est ça qui est difficile. Ça, c'est ce que vous croyez. Oui. C'est une question d'adaptation. Je l'ai bien fait, moi. Ah. Où est ma chaussure? Dans votre main? Mais non, pas celle-là. L'autre chaussure. Vous l'avez jetée à la mer. Oh non, j'ai pas fait ça. Pour ce qui est de s'adapter, vous allez devoir marcher pieds nus. Oh, quelle idiote. Allez, courage. Vous pourriez m'attendre. Tiens, une étoile filante. Ah. Où sont mes clés? Je les avais sur moi, pourtant. J'ai dû les perdre en marchant. Elles sont à l'intérieur. Ah bon? Là, sur le contact. Et j'avais pas verrouillé les portes? Non, non. Oh, vous pouvez m'ouvrir? Oh, vous auriez pu me dire que j'avais pas fermé. Je pensais que c'était automatique. Mais non, ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous voyez, j'apprends à conduire. Ça peut servir. Bon, asseyez-vous là. Moi? Conduisez. Démarrez. Vous êtes sûr? Oui. Wow. Vous allez commencer par faire une marche arrière. Mettez le levier de vitesse en position. D'accord, comme ça? Oui, c'est bien. Mais allez-y en douceur. C'est bien, là? Ne tournez pas le volant. Je fais ce que je peux, mais enlevez votre pied. J'essaie d'atteindre le frein. Doucement, vous allez trop vite. C'est à la voiture qu'il faut dire ça. C'est mieux. Oh là là. C'est bien, continuez. Regardez devant et de temps en temps derrière. Utilisez le rétroviseur. Pas comme ça, gardez un œil sur la route. Concentrez-vous. Changez de fil. Quoi? Mettez votre clignotant. Ensuite, vous déboîtez en douceur. Vous prenez l'autre fil. Vous pouvez vous détendre. Ah. Mais ne vous endormez pas. Ah. Je suis sûre que vous allez devenir un as du volant. Regardez devant. Hein? C'est la police, ils vont nous arrêter. Vous conduisez sans permis. Oh, ce que j'ai été bête. Pourquoi ne pas s'arrêter? Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est une grosse infraction, on peut aller en prison. Et si vous preniez le volant? D'accord, continuez à accélérer, je vais prendre votre place. Oh, attention. Oh. Rangez-vous sur le bas-côté. Oui, oui. Oh, qu'est-ce que je vous ai dit de vous arrêter. Compris? Inventer une histoire. Facile à dire. Moi, je me tais. Laissez-moi faire. Bonjour. Vous avez un problème? Non. Dans ce cas, pouvez-vous me dire ce que vous êtes en train de faire? On vient juste de se marier. Oui. Ah oui, vraiment. Chérie, vous voyez? Mais qui conduit? Moi, bien sûr. Et auriez-vous l'amabilité de me donner votre permis de conduire, s'il vous plaît? Évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Je m'essuie un peu. Oh. Tenez, le voici. Attendez un instant. Pourquoi vous lui avez dit ça? On est plus indulgent avec des jeunes mariés. Et le baiser, c'était vraiment nécessaire? Bah oui. Pourquoi pas? Ça faisait naturel. J'ai essayé d'être la plus convaincante possible. Il fallait bien sortir de cette situation. J'avais pas le choix. Je comprends. Je vous colle tout de même une amende pour conduite dangereuse. Oh, c'est justifié. Un conseil. La prochaine fois que l'envie vous reprend, essayez de faire ça dans un lit, c'est pas mal non plus et c'est moins risqué. Oui, d'accord, c'est gentil. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Ça fait combien? On s'en fiche. Partons d'ici. Mettons les choses au point. Je suis venue chercher des herbes pour Oncle Tac, alors qu'est-ce que vous venez encore m'embrouiller? Écoute, Chica, t'es ici chez notre maître, alors dis-toi bien que t'es là uniquement parce qu'on tolère ta présence. Ah oui? Comment ça se fait qu'il y ait de la lumière?
J'en sais rien, le vieux est peut-être revenu. C'est impossible, on l'a laissé pour mort. On ferait mieux d'aller voir. Ouais, c'est pas normal. Allons-y. C'est ça, ouais, hein, ouais. Vas-y, vas-y, approche. Allez, dégage. Allez, dégage. Allez. Allez. Qu'est-ce que vous foutez ici? Hein? Dégagez. Pitié, aidez-nous! Il s'est déboîté les poules. Qu'est-ce qui se passe? Je vais remettre ça. Là. Ah, ça fait mal! Ils doivent pas être loin. Je les ai vus, ils sont partis de ce côté. Arrêtez-vous, c'est Anna. Anna! Anna! Tu es blessée? Ça va? Je pourrais plus faire de gymnastique! Ça va aller. C'est fini, ma mère! Ne vous en faites pas! Je suis certaine que ça peut s'arranger! Ne vous inquiétez pas! Ne vous inquiétez pas! Apparemment, ce n'est même pas une fracture! Il ne faut pas qu'elle bouge! Je peux la soigner si elle veut! Mais ça doit être un problème de muscles froissés! Je peux essayer quelque chose! C'est pas utile! Ne faut pas vous inquiéter! Je suis sûre que vous n'aurez aucune séquelle! Attendez, je sais ce qui va lui faire du bien! Anna. Hey, tu en profites pas un peu? Maître, pourquoi tu dis ça? Oh!
le pied. Maintenant, il faut s'armer de patience. Asseyez-vous. Imbécile. Maintenant, écoute! Notre maître est ici! C'est lui qui a flanqué une raclée au vieux Tac! Si tu veux le venger, viens dehors et bats-toi! De coincer cette ordure. Envoyez des renforts de toute urgence!
Peut-être, mais c'est toi qui lui as donné l'ordre. Bien sûr, on en avait discuté avant. Et on était... Salut, Joe. Mais... Quoi? Pourquoi pleure-t-il? Oh, c'est un clandestin. Il risque d'être expulsé vers le Mexique dès aujourd'hui. Ah. On n'a qu'à s'en aller. T'es foutu de la morve dans les cheveux. Il serait plus prudent de rester. Ils ne nous ont pas encore relâchés. Ce serait un délit de fuite. Attendez une minute. Vous étiez pas cinq? On a toujours été quatre. On n'aurait pas osé partir d'ici. Ah ouais. Voilà comment on va procéder. Je vais lancer un avis de recherche contre Johnny. J'ai réuni assez de motifs d'occupation. Voie de fait, délit de fuite, injure, sans parler du fait qui m'a pété le nez. Alors voilà le deal, j'abandonne les charges qui pèsent contre vous si vous m'aidez à le coincer. Il est évident que vous étiez en état de légitime défense. Tout ce que j'attends de vous, c'est que vous veniez témoigner au procès. On est d'accord? Ça marche. Il faut le faire sortir. Je savais que vous comprendriez. Je compte sur vous. Merci. C'est bon, allez-vous-en. Santé surtout. Vous pouvez partir. Merci de votre aide. Allez. Il va falloir lui trouver rapidement un boulot. S'il travaillait à Pochilum, il obtiendrait ses papiers. C'est une bonne idée. Il faut en parler à Maître Tack. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je ne crois pas qu'il soit prêt de prendre quelqu'un, un de ses propres élèves, à oser le mettre au défi et à porter la main sur lui. Dans ces conditions, ça m'étonnerait beaucoup qu'il accepte, même si ce serait une bonne solution. Alors vous le laissez tomber. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je serai bientôt parti. J'ai perdu assez de temps. Maître, je ne te retiens plus. Non, attends! N'essaye pas de te justifier. Ce que j'ai entendu me suffit. Maître, c'est un malentendu. Tu perds ton temps avec moi. Si tu dois partir, pars. Ce n'est pas moi qui vais te retenir. Maître, je resterai le temps que tu désires. Est-ce que tu veux que je reste encore quelques mois? Maître, je veux t'aider. Garde ta pitié. Je n'ai pas besoin de ta compassion. Pochilou m'arrivera bien à survivre sans toi et sans tes amis. Non, maître. Non. Ne m'appelle plus jamais ainsi. Oscar, j'ai essayé de t'appeler pour que tu me sortes des emmerdes. Où est-ce que tu étais passé, hein? Je suis désolé, Johnny. Comment tu t'en es sorti? J'ai fini par payer la caution. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi tu trembles? Est-ce que tu aurais quelque chose à te reprocher? Les affaires vont mal, Johnny. Toutes nos actions s'effondrent. On a des dettes par-dessus la tête. Et moi, qu'est-ce que je vais faire, Oscar? Tout le monde connaît ma gueule. C'est toi qui m'as foutu dans la merde, à toi de m'en sortir. Ta gueule est en Chine. Là-bas, tu seras une star. C'est tout ce que t'as trouvé? Je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour moi. Alors c'est décidé. Vous partez pour de bon? Que faire d'autre? Vous avez entendu le maître? Il ne veut pas de moi. Alors que faire, sinon partir? Et personne d'autre ne vous retient ici? Oh, non, je ne vois personne. Vraiment personne? À moins... Les trois gars? Beau, Chico et Rico? Vous le saurez peut-être un jour. Oui, mais ce sera trop tard. Je vais m'en aller. On va se perdre de vue. Quelqu'un d'autre aurait bien aimé que je reste. Mais pourquoi cette personne ne me l'a-t-elle pas dit? Moi, je me sentirais obligé de le dire. Et vous? J'en sais rien. Ah, parfois, les gens sont étranges. Ah, j'oubliais. Au revoir. Qu'arrive-t-il à vos yeux? Non, ce n'est rien. Ah bon? N'oubliez pas de m'écrire.
c'est éclairé. Tu crois que le maître est là? J'en sais rien. C'est toi, Jet? Oh. C'est bon. Arrêtez de vous marrer, on a affaire. Allô? Salut, le vieux. Ça y est, on a rangé sa petite boutique, on a fait le ménage. Qu'est-ce que vous dites? J'entends rien. Hé, hey, venez par ici, j'ai besoin de vous. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Dis-lui pour la fille. Allô? Donne-moi ça. Allô? Écoute, le vieux. Nous avons la fille avec nous, tu comprends? Alors tu vas faire ce qu'on va te dire. C'est pour vous, il a dit le vieux. Hein? Allô? Le patron veut te voir. Il a l'intention de te proposer un marché. Tu dois... Je m'en fiche. J'irai pas au marché. Mais il est bouché, ce vieux. Dis donc, on t'a pas appris la politesse? Anna est entre nos mains. Alors calme-toi et suis toutes nos instructions à la lettre, ok? On veut te voir dans une demi-heure. Compris? Et t'as intérêt à être à l'heure avec ta bande de rigolos parce que sinon, on n'hésitera pas à la tuer. Pourquoi vous l'avez enlevée? Elle n'y est pour rien. Maintenant, tu vas soigneusement noter l'adresse. Un stylo. C'est bon, j'écoute. 1100 Wilshire Boulevard. Sur le toit de l'immeuble NRB. Ouais, c'est bon, j'ai tout noté. Il ne sait pas qui pense à lui. Il est aveugle ou quoi? Il n'a pas deviné ce que je ressentais pour lui. Quel imbécile. Il ne connaît personne aux États-Unis. C'était pas compliqué pourtant. Où est-ce que j'ai mis mon passeport? J'allais mourir. Oh, quelle horreur! Elle était à côté de moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, tout est arrangé. Merci. C'est bien. Oh, quel courage. Merci. Bravo, mais mec. Mais c'est quoi, ce cirque? Ne regardez pas ça. Mais j'ai pourquoi besoin y a de du sang partout? Je dois retourner chercher mon passeport. Oh, j'ai dû l'oublier. Je ne pourrais pas prendre l'avion si je ne l'ai pas. Enfin, vous venez, oui ou non? Il y a une lettre de Maître Tak. Ah oui? Et il dit quoi? J'en sais rien, c'est en chinois. Donnez-moi ça. Je vois pas grand-chose. Ah oui. Très chère mademoiselle May, je vous charge, si jamais il m'arrivait malheur, de veiller à ce que mes biens et ma boutique reviennent à mon élève Jet, mon seul héritier. Signé Shang Utak. Malheur. Malheur? Malheur. Vous êtes certain?
Eh oui. Mais ça signifie qu'il est en danger. On doit absolument le retrouver. C'est mauvais signe. Ça doit être encore un coup de Johnny. Comment faire pour le retrouver? Il y a une adresse, Wilshire Boulevard, sur le toit de l'immeuble R&B. Quoi? Vous savez où c'est? Oui, c'est dans le centre. Vous croyez que c'est là qu'il se trouve? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Dans ce cas, perdons pas de temps. Allons-y. Ah, non, mais vous êtes malade ou quoi? On n'a pas le temps de discuter, chaque seconde compte. Oui. Ça va être difficile de les battre tous. Restez ici. Soyez prudent, maître. Le premier d'entre vous qui réussira à faire s'agenouiller le vieux devant moi deviendra mon bras droit et sera nommé chef instructeur. Quatre. Allez-y à quatre. Hé, hey, le chevelu! C'est toi qui leur as appris à se battre? Pour vous, coutume! Dix. Allez-y à dix! Dix autres. Dix suivants à l'attaque! Où t'étais passé, espèce d'abruti? Si tu disparais mais... encore pendant la bagarre, je te fais la peau. Regarde, pas vrai, ce mec. On va pouvoir s'amuser. Ouais. Allons-y. On est là. Tuez les tous. Ça va aller. Oh, je croyais que tu devais partir. J'ai lu ta lettre, alors je suis venu. Non, c'est mon testament. N'importe quoi, je suis là, tu ne vas pas mourir. Maître, maître. Fais attention, ils sont prêts à tout pour vaincre. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Mieux que tu penses. Oh!
Pas mal du tout. Malheureusement, ce n'était qu'un hors-d'œuvre. Il a l'air bien sûr de lui. Je n'aime pas ça. Je m'occupe de lui. Ne t'en fais pas. Il ne peut pas me battre. Il va te tendre des pièges. Fais attention à toi. Libérez Anna. On y va. Oui, mais. Lâchez-la. Qu'est-ce que tu attends, fils de pute? Achève-moi! Pas question! On arrête! Tu vas sauter!
Oh merde, c'est pas vrai! Il faut le remonter! Occupez-vous de ces clowns! Que chacun reste où il est! Posez les mains sur la tête! Pas de gestes brusques! Police, reculez du bord! Là. Tu plaisantes. Sans vous, j'étais fichu. Je vais vous regretter. Et nous alors, qu'est-ce que tu crois? Je peux l'aimer pour son caractère. Fais-moi une bise. Dis-moi, j'ai droit à rien. C'est fort ça. À bientôt. Oncle Tac. Merci. Au revoir. Jet. Oui. Je te donne mon chapeau. Souvenir. Merci. Au revoir. Et merci. Au revoir. Bon voyage. Au revoir les garçons, au revoir Los Angeles. Au revoir, à bientôt. Bon voyage. Éclate-toi bien. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il faut pas dire ça. Non. Désolé, maman. Je sais pas ce que ça veut dire. Jet. Oui. Je sais que tu reviendras bientôt. Tu es bien sûr de toi pour dire ça? Mais oui, la vie n'est pas si désagréable par ici. Je te conseille d'y penser. Et quand tu auras pris ta décision, tu m'appelles. J'y réfléchirai. Jet. Il est difficile pour un maître de voir grandir son élève. L'indépendance est vécue comme une trahison. Je te prie de m'excuser. Il n'y a pas de souci. Bien. Mais tu n'as pas enlevé l'étiquette. L'arrache pas, je l'ai acheté ce matin. Et je le rapporterai demain. C'est une façon d'être toujours bien habillé pour pas cher. Retiens ça. Ici, faut de la cervelle quand on n'a pas d'argent. Au revoir, mes amis. À bientôt. Merci pour ce que t'as fait. Ah, nous oublions pas. Écris-nous surtout. Ça va. Laissez-moi pas rater le cas. Au revoir. Au revoir. Hein? Toi aussi, tu as gardé l'étiquette. Moi aussi, je dois le rendre. Tu apprends vite. Fais bon voyage. Mais n'attends pas trop longtemps pour revenir. Je compte sur toi. Salut Mme, ma part. Ah oui, au fait, elle m'a chargé de te dire au revoir. Elle cherche un travail. Au revoir. Bon retour. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Apparemment, c'était le bon jour pour voyager. Ah. Que faites-vous là? Ça vous étonne? Comme j'étais sans travail, j'ai décidé d'aller faire un petit tour à Hong Kong. Regardez. Aujourd'hui? Oui. Vous logerez où? Chez vous? Chez moi? Qu'y a-t-il? Eh bien, je crois que j'ai un problème. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Oh non! Mon passeport a disparu. Quoi? Regardez bien tout au fond. Laissez-moi faire. Attention. Regardez. Regardez. Maître! Sans ce truc-là, difficile de faire un voyage. Sans rancune. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? Dites! Ils ont volé mon passeport. Je dois rester. Vous partez seul. Bye bye. N'oubliez pas d'écrire. Tiens, mange. Yeah.
you get you home. Lose your heart, you don't. Sang hey ho, you sing tong. Lose your mong, some san, you can see how to ying dong, fong, but see more the gun. Thank you.